si aujourd'hui vous pouviez choisir, comme psychanalyste, vous choisiriez plutôt Jung ou Freud? Kdyby si dneska měl vybrat mezi Jungem a Freudem na psychoanalýzu, tak... No tak Freuda samozřejmě. Bien sûr Freud. Freud, pourquoi? Proč? Protože Jung se mi zdá příliš jako spekulativní, ten Freud přece jenom to má, myslím si, víc z té praxe odkoukaný. A pak jako taky jsem se dostal k tomu Freudovi dřív než k tomu Jungovi. A pak jako obdivuju ani ne tak psychoanalýzu jako terapeutickou metodu, ale spíš jako je to pro mě úžasný výkladový systém světa a člověka. A z toho Freuda právě spíš než ty analytické texty beru takový texty jako Nesnáze s kulturou nebo Budoucnost jedné iluze, který považuji za absolutně klíčový prostě. Bien sûr Freud, parce que Jung est pour moi trop spéculatif, Freud a beaucoup plus de pratique ou d'expérience pratique, aussi parce que j'ai découvert Freud plus tôt, et j'admire la psychoanalyse pas tellement en tant que méthode thérapeutique, mais en tant que système qui explique ou qui essaie d'expliquer le monde et l'homme, donc c'est ça qui m'intéresse. Et chez Freud, j'aime beaucoup les textes comme, alors je ne connais pas les titres français, mais Difficulté avec la culture et L'avenir d'une illusion. Pour moi, c'est des textes clés très importants. Vous privilégiez dans votre travail la liberté de création, laisser travailler l'inconscient. Est-ce qu'il n'en est pas de même pour le spectateur? Et donc, qu'est-ce que vous pensez finalement des gens qui analysent votre œuvre? Des journalistes comme ça qui écrivent sur vous? Tak moje filmy jsou imaginativní a to znamená, že a překračuje teda ta imaginativní tvorba to, čemu se říká dokument doby. Oui, mes films sont imaginatifs, donc permettent beaucoup d'interprétations ou d'explications et moi je dis toujours que toutes les interprétations sont bonnes parce que chacun peut y trouver, chacun réagit à sa façon. Et des fois, les interprétations des spectateurs sont très curieuses. Par exemple, en Israël, une dame qui a vu Ote Sanek m'a dit « c'est un film sur Israël ». Et j'ai demandé pourquoi. Et elle disait « ben, nous aussi, on se retrouve devant la situation, devant le choix, soit se barricader chez nous, soit déménager, partir ». Et donc, elle a pris une phrase dans le film et elle a interprété à partir de cette phrase le film entier à sa façon. Donc ça, c'est ce qui fait que la création imaginative en fait se réactualise sans cesse, devient sans cesse actuelle, chacun peut y projeter les choses que l'auteur n'a même pas eu à l'idée, n'y a même pas pensé parce qu'à l'époque où il l'a fait c'était pas d'actualité, mais par rapport à un film réel, du coup une création imaginative ou une œuvre imaginative est toujours vivante parce que prenne sans cesse un sens nouveau, voilà. Mais ça, c'est le spectateur. L'analyste, par exemple, Buñuel, disait que quand on parlait de ses films, des fois, les analystes en faisaient beaucoup, par exemple, sur le fait qu'il y ait tel ou tel personnage, il voyait énormément de choses antichrétiennes, par exemple, anticatholiques, etc. Et lui, souvent, disait que dans ses films, c'était juste que, ben, par exemple, comme M. Jean-Claude Meyrier disait, les films sont trop courts, donc je devais rajouter des scènes et j'ai rajouté des personnages qui me venaient, etc. Et les analystes, d'un seul coup, font, et c'est un peu différent du spectateur, est-ce qu'il est... Il n'a pas peur justement que ses analystes tendent à justement compartimenter son cinéma. Tak já zatím třeba u tohle toho, protože ještě nebyla ani premiéra, čili to vidělo jenom. Já vím, že Telerovský ze skupiny jako říkal, no ale to není žádná psychoanalýza, takhle psychoanalýza nevypadá. Ben pour ce film, le nouveau film, pour l'instant, j'ai pas beaucoup de réactions parce que la première à Prague se fera que le 3 novembre, donc... Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup d'écho, mais en général, c'est sûr que les psychoanalystes ne seront pas d'accord avec mon interprétation. J'ai eu déjà quelques échos parmi les amis psychoanalystes qui me disent « c'est pas comme ça qu'on fait une psychoanalyse », etc. En même temps, ils aiment bien la lutte entre Freud et Jung. C'est sûr que la psychoanalyste est un personnage grotesque dans le film, ça ne va pas leur plaire, mais bon, pour l'instant, c'est trop récent. Comment, quand la liberté est si importante dans son acte de création, comment aujourd'hui
Et comment on réussit à garder cette liberté? To nevím, jak to dělám, ale asi to chce trošku být tvrdohlavej, protože to zvlášť holt, až se nepodaří sehnat peníze, tak holt přestanu točit. Je sais pas comment je fais, bien il faut sans doute être têtu. C'était pas facile à l'époque où je faisais les courts-métrages, mais c'est pas facile aujourd'hui. Bien sûr, il faut trouver l'argent. Maintenant, on met plus de temps à trouver l'argent. Pendant 5 ans, je tourne pas souvent parce que c'est souvent qu'il nous faut 5 ans pour trouver de l'argent pour un nouveau film. Donc, quand il n'y a pas d'argent, je fais autre chose. Je fais des choses moins chères, je fais des collages, je fais des objets. Mais j'essaye de garder cette intégrité. Je me dis, je suis trop vieux maintenant pour changer. Et donc, quand il n'y aura plus d'argent, je ne ferai plus de films. Voilà. L'idée de se battre tout le temps, est-ce que la censure d'une époque, cette censure économique d'aujourd'hui peut-être, est-ce qu'elle est plus difficile pour lui ou plus facile que la censure de l'époque? Bon. To se dá těžko porovnávat. Tady, když se seženou ty peníze, takže v tom je to asi lepší, i když, jak říkám, je to někdy svízelný ty peníze sehnat. C'est difficile de les comparer. C'est très différent. Aujourd'hui, quand on trouve de l'argent, après, on peut faire vraiment ce qu'on veut. Il n'y a plus d'empêchement. À l'époque, il n'y avait pas de problème économique. Une fois que le scénario était validé par la censure, après, il n'y avait pas de souci économique. Mais il y avait aussi beaucoup de scénarios qui n'ont pas été validés, donc que j'ai écrit juste pour moi. Et du coup, je les ressors maintenant. Par exemple, Les Conspirateurs de plaisir, c'était un scénario que j'avais depuis les années 70. Et donc c'est très différent, mais il faut dire que la censure idéologique était très bête, et donc quand ils se sont mis d'accord qu'il fallait interdire un film, on pouvait rien y faire, on pouvait pas changer. Aujourd'hui, quand on trouve l'argent, on attend un peu plus, mais si on le trouve, après on fait ce qu'on veut, donc je pense que c'est quand même mieux maintenant, ouais. Même si c'est compliqué. Et la période idéale, c'était les années 60, parce que la censure était... les choses se sont un peu détendues, il y avait plus de liberté, la censure était supprimée jusqu'à 68, jusqu'à l'occupation russe. Et donc, en fait, l'État finançait une création qui était contre lui. C'était une sorte de trou qui n'arrive pas souvent dans la civilisation actuelle, mais c'était une période idéale. Quelle trace lui laisse ses films passés? Une fois qu'il les revoit, est-ce qu'il regarde ses films? Et quelles traces les laisse? Et en quoi pense-t-il que ça ressurgit dans ses films présents? Moc se navrátím k těm filmům, protože, jak říkám, je to jednou uzavřená věc. No, takže by se to odstřihali titulky a že by se to slepilo jako jeden film. Je reviens pas à mes vieux films, je considère que c'est une sorte de conserve, de boîte de conserve avec laquelle on ne peut plus rien faire. Donc, qui vit sa vie et on peut pas le changer. Donc, j'y reviens pas souvent. Je les regarde seulement quand je veux, par exemple, regarder quand j'ai utilisé un décor concret, je veux revoir comment c'était, si je vais le réutiliser. Donc, vraiment, je fais des projections très utilitaires de mes films. Mais c'est vrai que des fois, quand je le regarde, je me dis, je sais plus comment je l'ai fait, je saurais plus le faire aujourd'hui. Je voudrais pas avoir à le refaire aujourd'hui. Et surtout, je pense que je suis un auteur d'un seul film, que tout ça, c'est un seul film, les sujets varient, mais si les obsessions reviennent, les moyens que j'utilise reviennent, etc., je pense qu'on pourrait enlever les génériques et monter tout ça ensemble et que ça ferait un seul film. Alors justement, dans les obsessions, Jacques Meyer, est-ce que la poule Jacques Meyerienne, en français c'est difficile, vient-elle avant le bébé Jacques Meyerien, parce que quand on regarde ces films, les deux sont animés dans quasiment tous les films, et aussi bien en papier découpé, en prise de vue, enfin il y a absolument tout. Donc qu'est-ce qui compte? La poule vient avant le bébé ou le bébé vient avant la poule? Tak ty miminka si neuvědomuju ani, ale vím, že mám teda v každém, tam je to prostě ta sexuální potence, že jo.
Donc les bébés, je réalise même pas que mes obsessions, c'est surtout la nourriture, par exemple, et des choses comme ça. Pour ce qui est des poules, elles n'apparaissent que dans mes derniers trois films. Et dans chaque film, la poule a un rôle différent. Dans le dernier film, c'est la vision que l'héros principal a des femmes, parce que pour lui, toutes les femmes sont... En tchèque, on dit qu'une femme, quand elle est bête, c'est une poule. Donc pour lui, il a une poule chez lui, à la maison, et puis il considère toutes les femmes comme ça. Dans la démence, la poule, c'est une analogie avec les clients ou les malades de l'hôpital psychiatrique, parce qu'on se comporte avec eux comme ça, on les nourrit, et comme si c'était des poules aussi. Et dans Conspirateur de plaisir, c'est un coq, donc c'est différent, c'est la virilité, la sexualité masculine, etc. Il faut regarder, il y a plus de poules qui apparaissent que ça. Il y en a dans Alice aussi, j'ai revu un peu tout. Uh-huh. Et peut-être regarder un petit peu, il y a des poules qui apparaissent. Et je ne pourrais pas dire dans les courts-métrages, mais j'en ai revu encore hier soir en rentrant après le film. Uh-huh. Et je n'ai pas tout noté, mais il y a des poules qui arrivent encore dans d'autres films. Donc, Je i v Alence je slepice. A že i v krátkých filmech, že jste včera ještě pouštěl večer a že taky tam jsou. Jo. Už ne. No. Valence, slepice. Dans Alice. Dans Alice, à un moment donné, dans le débarras, à un moment donné, il y a une poule qui se... c'est peut-être un hasard, mais il y a une poule qui se balade, en fait. Je tam prochází slepice. À un moment donné, ouais. Je crois que quand tout début qu'elle est dans sa chambre, ou à un moment donné, je sais qu'il y a une poule qui parle, c'est pas long, hein. Je tam je záběr, jak tam taky projde slepice. Aha. A jo, ma part, v bytě slepice tam... Et dans l'appartement aussi. Comment se fait le casting des objets dans ces films? Est-ce qu'il revoit même certains de ces objets? Alors, il a dit non, mais dans Jabberwocky, par exemple, il y a une poupée et un jeu de construction qui se retrouvent dans Alice. Donc, est-ce que des fois, comment se travaille ce casting des objets dans ces films? To jsem chtěl říct, že prostě některé ty... Takže ve všech mých filmech najde bílou lakovanou židli, to. Oui, donc, bien sûr, les différents objets passent d'un film à l'autre. Par exemple, le chapelier dans Jabberwocky et ensuite Don Pedro dans Don Juan. Donc, en fait, je suis collectionneur, je collectionne un peu tout. Mais ce qui m'intéresse, c'est les objets qui ont été témoins des scènes émotionnelles ou des actions émotionnelles, ce qui sont donc forcément des choses anciennes. Donc si on ne voit pas dans mes films des choses nouvelles, ce n'est pas parce que je suis contre les nouveautés ou que je veux défendre les vieilles choses, mais simplement, dans ces vieilles choses, je sens des contenus qui sont entrés dedans parce que quelqu'un les a touchés, parce qu'ils ont assisté à des scènes différentes, etc. Et moi, j'essaye ces contenus-là de sortir. C'est-à-dire, moi, je ne leur impose pas mes contenus, j'essaye de sortir ce qu'ils ont déjà, ce qu'ils ont pu enregistrer ou de quoi ils sont imprégnés. Et donc, c'est d'un côté ça. Et de l'autre côté, bien sûr, les objets que je connais depuis mon enfance, qui par exemple, une chaise, quand on dit une chaise, chacun imagine autre chose. Pour moi, c'est toujours une chaise blanche, vernie, avec du vernis blanc, parce que c'était les chaises chez nous à la maison. C'est là que ma mère m'a dit, ça, c'est une chaise, pour la première fois. Donc, vous verrez dans tous mes films, une chaise vernie en blanc aussi. Donc, c'est beaucoup lié à mon enfance, bien sûr, qui est très important pour moi. Donc, il y a un travail différent entre l'acteur en prise de vue réelle, qu'il laisse se diriger, et par exemple, est-ce qu'il se laisse plus diriger par l'objet? Comment il travaille entre l'acteur en chair et en os, et l'objet finalement, comment lui en tant que réalisateur il travaille avec les deux? Est-ce qu'il y a une différence? Non. Samozřejmě, že naši předkové teda používali oko toho herce, nebo jak vypadá jeho pusa, než jaký je to herec, jak dovede hrát. Nos ancêtres utilisaient différents rituels par rapport aux objets, alors qu'aujourd'hui on ne voit que l'aspect utilitaire des choses. Et le fait que je les anime, j'essaye de mettre en doute ce rapport utilitaire qu'on a aujourd'hui avec les choses. Et en les animant, je leur donne ou je sors de cette charge émotionnelle qui a complètement disparu dans la civilisation d'aujourd'hui. Et je travaille d'une manière similaire avec les acteurs. Bien sûr, certains, on n'aime pas ça, on a l'impression d'être qu'une marionnette sans leur propre expression.
Mais il y en a d'autres qui aiment ça. En tout cas, chez moi, l'acteur doit être une plus grande personnalité qu'au théâtre, parce que chez moi, les gestes, les grands gestes jouent un rôle très petit. Moi, j'utilise surtout des gros plans, des détails, à partir desquels ensuite mon film. Donc, je choisis surtout par rapport à la personnalité d'acteur, par rapport à ses yeux et sa bouche, comment ils ont une charge émotionnelle antérieure qui se voit leur personnalité, et après leur performance artistique, je la monte moi-même, c'est pas à partir des gros plans. Donc c'est vrai que c'est un peu comme avec les objets. J'aimerais bien faire des interviews d'objets qu'on tournait dans ces films un jour. Je vais rád udělat rozhovor s některými předměty, které hrajou v tvých filmech. Justement, c'est étonnant parce que par rapport à des films, donc, c'est le meilleur, travaille beaucoup sur le tactilisme, on voit en effet beaucoup de gros plans de bouche, et finalement plus de gros plans de bouche que de plans de main, finalement. Et comment la langue, c'est deux questions en fait, comment la langue devient un objet du cinéma tactiliste, on va dire, la langue qui pourrait plutôt représenter le goût, comme hier on voit dans le film où elle lui lèche le visage avec cette grande langue. Já tohle to moc dobře nevím, ale fakt je, že ten jazyk najde skoro ve všech mých filmech. Dokonce ho i docela rád jim. Oui, la langue est pratiquement dans tous mes films. Ça, bien sûr, mais je ne sais pas exactement pourquoi. Mais c'est sans doute une sorte d'analogie avec l'agressivité de la bouche. S'il y a des connotations érotiques, bien sûr. C'est quelque chose d'assez étrange qui me fascine et j'aime le manger aussi. Comment on voit hier dans le film, Survivre à sa vie, qu'il utilise en effet les gros plans donc en prise de vue réelle et les plans larges qui sont tous en animation. Il y a vraiment un jeu. Dans l'introduction, il dit que c'est aussi pour des raisons économiques, en jouant avec ça. Comment se met en place sa recherche entre l'image par image, la technique de l'image par image et la technique de la prise de vue réelle dans le film d'hier et puis dans tous ces films? My jsme dělali, jsme asi 3 měsíce experimentovali vůbec s touhle technikou, protože v těchto situacích se to nejlépe propojuje. Donc la première impulsion c'était bien vraiment les raisons économiques, parce que ça a permis donc de déménager tout le tournage dans l'atelier, ne pas faire des scènes à l'extérieur. On a fait des expériences pendant 3 mois et je me suis rendu compte que le mieux pour relier les parties jouées et les parties d'animation, c'est faire le montage au milieu d'un mouvement, pas dans les scènes statiques, mais je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est toujours quand au milieu d'une scène qui bouge qu'on fait la coupe pour passer à autre chose, à une scène jouée ou animée. Donc c'était assez compliqué parce que on n'a pas fait ça en continu, bien sûr. On a fait d'un côté les scènes avec les acteurs et de l'autre côté les scènes animées. Et après, donc quand les acteurs jouaient, il fallait qu'ils regardent bien la scène d'animé sur laquelle ils vont enchaîner pour que le mouvement soit continu. Et l'inverse, quand les animateurs faisaient de l'animation, on leur approchait les scènes des acteurs sur lesquelles ils doivent enchaîner avec l'animation pour que la vitesse du mouvement, la direction, le sens, que ça fasse. Donc c'était assez compliqué. Quand on a fait le montage au fur et à mesure, on filmait sur une caméra vidéo et on projetait à la fois aux acteurs et aux animateurs pour que tout ça s'enchaîne. Pour le montage, pour comprendre aussi bien le montage comme il le fait, qui est quand même l'une des choses importantes dans ce cinéma, est-ce qu'il a passé un pacte avec Faust, avec Eisenstein ou avec Vertov? Ne, tak já si myslím, že film je především střih, že jo, to je úžasná věc. Variance du montage distingué parce avec la vibranou. Pour moi, le film, c'est avant tout le montage. C'est très important. C'est le montage qui fait le film. Et c'est aussi ce que le film a commun avec le rêve. Un instant, il peut nous transporter dans une autre réalité, dans une autre situation, etc. Donc pour moi, le film se fait dans la salle de montage. Mais bien sûr, il faut y penser déjà pendant le tournage. Et pendant le tournage, je me fais déjà plusieurs variantes je pense au montage et je fais tourner plusieurs variantes pour qu'au moment du montage, j'ai le choix entre différentes versions. Et je monte déjà pendant le tournage sans cesse. Comme ça, si au montage, il y a des choses qui ne vont pas, qui ne me plaisent pas, je peux les retourner, etc.
dans une interview, il dit « Pour Ali, j'ai même fait un storyboard. » Ça veut dire qu'il fait jamais de storyboard d'habitude. Nedělám. Já teďka už nedělám vůbec. To, pro tu Alenku jsem to musel, protože to byla, podle něj potom, ten potom vlastně jenom realizuju, tak takhle to nevznikalo. Ani dokonce tenhle, ten komplikovaný. Oui, je fais jamais de storyboard. Pour Ali, c'était nécessaire parce que c'était ma première coproduction avec l'étranger. Il l'exigeait, donc je l'ai fait, mais je le fais plus. Maximum, j'ai fait quelques passages pour Faust, par exemple. J'ai dessiné quelques scènes, quelques passages. Et même, je tourne même pas. J'ai un scénario en général que je fais uniquement pour le producteur pour qu'il puisse faire un budget. Mais après, j'improvise complètement. J'utilise même pas le scénario de départ pendant le tournage. Après, je fais une sorte de scénario technique chaque matin, chaque jour. Je note pour moi où sera placée la caméra, etc., pour la scène qu'on va tourner, mais après j'improvise totalement. Pour le dernier film, j'avais une sorte de scénario technique quand même à cause de cette combinaison de l'animation et des scènes jouées, quelque chose que j'ai fait pour moi au crayon. Il n'y en avait qu'un exemplaire que j'avais moi, donc j'étais le seul sur le tournage qui savait comment allait être le film, personne d'autre ne savait, et moi je dirigeais depuis la salle où j'étais tout le film. Et pour les parties animées, après on a fait sur ordinateur une sorte de petit storyboard pour chaque image, mais c'est tout, je fais jamais de storyboard dessiné au début de film, que je respecterai, qu'en font beaucoup de réalisateurs. Donc tout est bien en place dans la tête, ça se mélange pas au bout d'un moment. Jsem neměl ani nemám ani asistenta těch filmů. A u šílení jsme dokonce ani ne. Že by potom ve střižně byly nějaký problémy. Oui, j'ai tout dans ma tête, tout le film, j'ai même pas d'assistant, j'ai tout le film en ma tête. Et pour des démences, par exemple, on n'a même pas tourné les comment vous dites, quand on fait le clapet, on dit le numéro de l'image. Le clap, on n'a même pas fait ça. J'avais tout dans la tête et je savais exactement comment les choses vont s'enchaîner. Et on n'a même pas eu de problème au montage avec le sens, qu'il arrive du mauvais côté, etc. Tout était. Donc, c'est étonnant, je n'ai pas une mémoire très particulièrement bonne, mais quand il s'agit du film, il est entièrement dans ma tête. Ouais. Alors justement, dans Chileni, je ne sais pas si on dit comme ça, Chileni. Chileni. Une personne dit qu'il y a trois manières de diriger un asile. Est-ce que pour un film, on a l'impression depuis tout à l'heure, en fait, il y a une seule manière, M. Jean Meyer dirige d'une seule manière. Est-ce qu'il y a plusieurs manières quand même, ou est-ce que pour lui, il n'y a qu'une seule manière de diriger un film et pas trois manières? Et qu'est-ce qu'un tournage finalement? Est-ce que ça ressemble un peu à un asile, un tournage d'un film? Samozřejmě, že každý film je jiný, takže nějakých prostě očkrtávání, nějakých záběrů. Chaque film est différent, donc chaque film en fait dit lui-même comment il veut être tourné, comment il demande la technique ou la façon d'être dirigé ou d'être fait. Moi j'ai une façon très ouverte de le faire, comme je disais déjà. Je ne réalise pas en scénario, mais c'est un processus ouvert. Le film est souvent différent que comment il apparaissait au début du tournage, etc. Pour le dernier film, la fin est différente de ce qui était dans le scénario, par exemple. Et j'aime improviser et j'aime que ça soit un processus de création, que le tournage ne soit pas juste une manière de remplir des cases de ce qui est fait, de cocher ce qui est tourné, ce qui n'est pas tourné, mais c'est un processus créatif ouvert, voilà. Pour lui, qui est le plus cruel, Sade ou Lewis Carroll? Kdo je krutější podle tebe, Lewis Carroll nebo Sade? No, tak asi ten Sade. Jako. To je Sade. Ale jsou to autoři samozřejmě z jedné, se je u stejného rybníka, že jo? Jsou to z jedné strany mince. Oui, c'est des auteurs du même bord, on dirait. Est-ce qu'il pense qu'à l'instar de Jeux virils, qui est une critique un peu du sport, l'art pourrait tomber dans cette violence qu'est le sport. Et il y a quoi aussi, umění? To jsem se neklad tuhle tu otázku, protože jednak mě umění moc nezajímá. Takže jako... Je me suis jamais posé cette question, parce que l'art ne m'intéresse pas vraiment. Alors, l'art, je ne sais pas, mais est-ce qu'une œuvre, pour qu'elle soit réussie, doit être politique, ou en tout cas doit être
doit parler du contemporain, même si elle se situe dans le passé. Tak já samozřejmě tak asi všechny moje filmy jsou nějakým způsobem angažovaný. Jsi vředy na nemocný těle civilizace. Oui, en quelque sorte, mes films sont engagés, mais pas du point de vue esthétique. Je ne cherche pas du tout le côté esthétique ou artistique, etc. Mais ils sont engagés dans le sens que, par exemple, dans les années 70, les gens ont pris mes films pour des films politiques, alors qu'ils sont imaginatifs, ils ne sont pas politiques au premier plan, parce que je ne veux pas faire la politique dans le sens... Il appelle ça de la mousse politique, comme faisaient des dissidents, par exemple, sous le régime communiste, parce que moi, je pense que c'est toute la civilisation qui est malade et j'essaye de le saisir de manière plus profonde. Pour moi, par exemple, les régimes totalitaires, le fascisme, le stalinisme, c'est des ulcères sur un corps qui est malade entièrement, cette civilisation est malade entièrement, et c'est ça que j'essaye de montrer ou de saisir. Mais justement, est-ce que c'est l'imagination qui est la chose la plus subversive et plus politique aujourd'hui? Imaginace je vždycky samozřejmě subverzivní, protože straní možnému proti skutečnému, že jo. Takže ano, spoléhám na subverzivitu imaginace. Oui, l'imagination est toujours subversive. Je compte beaucoup sur sa subversivité. Elle le sera toujours parce qu'elle est du côté du possible contre ce qui est réel. Elle ouvre toujours des nouvelles possibilités, etc. Ouais. Est-ce qu'il pense qu'il ne ferait pas le même cinéma s'il habitait ailleurs qu'à Prague? Já si to nedovedu představit, že bych dělal. Já jsem dělal dva filmy v Rakousku, to je pravda. Nedovedu si představit, že bych dělal někde. Je n'arrive pas à imaginer que je ferais des films ailleurs qu'à Prague. J'ai fait deux films en Autriche, mais c'est un milieu un peu similaire, mais je ne peux pas imaginer de faire des films ailleurs. Est-ce qu'aujourd'hui un homme d'État comme Rudolf II pourrait exister? To nevím, jako mezi politikama si nedovedu takovýho člověka představit. Že to jsou všechno pragmatici moci a ta iracionální nemá vlastně důstojný prostor pro vyjevení. Dans la politique actuelle, je ne peux pas l'imaginer. Aujourd'hui, c'est les politiciens, c'est des gens du pouvoir, etc. Rodolphe était vraiment une personnalité exceptionnelle et c'était une époque exceptionnelle où l'irrationalité et la rationalité, où l'irrationnel et le rationnel étaient en équilibre, et alors qu'aujourd'hui, c'est vraiment le rationnel qui domine et l'irrationnel n'a pas d'espace digne de lui. Est-ce qu'il pense que la satire aujourd'hui s'est déplacée et quand il fait signer d'un signe de croix Freud dans le film hier, est-ce qu'il pense que la satire aujourd'hui c'est ça? Et finalement on a déplacé la chose. Moje filmy nejsou satirické, když tak jsou jako na hraně ty grotesky. Takže mě to slovo je dost protivný. Je pense pas que mes films soient satiriques. En tout cas, j'aime pas ce mot parce que souvent on faisait de la satire constructive sous le régime communiste. Enfin, on était appelé à faire de la satire constructive, etc. Je pense que c'est plutôt grotesque ou film d'horreur aussi, mais je ne les qualifierais pas de satirique. Que la position entre le grotesque et l'horreur, ça correspond le mieux à la position de notre vie, de ce que nous vivons, donc je pense que c'est ça. Bon alors, malheureusement, j'avais encore plein de questions, mais je me suis réveillé à plein d'interviews. Je voudrais juste finir sur deux, trois petites questions très rapides. Est-ce qu'un jour, il pense qu'il va se réveiller? Ou est-ce qu'il va rester dans ce rêve? Já si žiju ve snu, tak se z něj rozhodně nechci probudit. Takže já žiju jak v té realitě, tak v tom snu. Je pense pas que je vis dans un rêve. Je suis d'accord avec Lichtenberg que seulement le rêve et la réalité ensemble font la vie, la vraie vie. Et donc je vis aussi bien dans la réalité. Mais si jamais je vis dans un rêve, j'ai pas envie de me réveiller. Pour lui, qu'est-ce que serait une interview surréaliste? Jak by vypadal surrealistický rozhovor podle tebe? Surrealistický rozhovor není. N'existe pas. Et dans Alice, c'est ma dernière question, dans Alice, il dit, on commence le film en disant, pour bien que vous regardiez ce film, il faut que vous fermez les yeux. Mm-hmm. Donc dans l'idée d'avoir une autre perception, pour bien écouter cette interview, pour bien que l'interview, à son avis, ce qu'il faudrait? Se boucher les oreilles? Ne, tak dostat se samozřejmě, Alenka, mé příště divuje sen, že zavřete oči, jinak nic neuvidíte. To znamená vlastně
připravte se na to, že bude sen, že? Il faut pas interpréter Alice comme un conte pour enfants, c'est une mauvaise interprétation, c'est un rêve. Donc quand elle dit fermez les yeux sinon vous verrez rien, c'est parce que il faut se préparer d'entrer dans le rêve. Je pense que depuis longtemps, depuis les années 70, l'œil et l'oreille sont fatigués, et donc c'est le toucher qui peut apporter une certaine authenticité dans les sensations, etc. Mais la direction qu'il faut suivre, bien sûr, c'est la synesthésie, c'est-à-dire les cinq sens.